Nos dirigeants, ils ont le complexe même de recevoir nos artistes. Ils ont ce complexe et c'est parfois choquant. Allez-y voir. Peut-être dans beaucoup de départements ici, des artistes ont déposé des lettres d'audience aux différents responsables, mais en vain. Mais aujourd'hui, ils sont en train de minimiser et de rendre petit la valeur guinéenne. Et quelqu'un de qui qu'il soit, de X ou de Y, il arrive dans ce pays, on le reçoit à tout pompe. C'est une insulte pour ceux qui ont incarné la culture guinéenne, pour ceux qui ont incarné les artistes guinéens. C'est pourquoi j'ai commencé par les artistes guinéens. Il faut qu'on les respecte. Prenons un exemple sur le Kamakoso, comme vous voulez que je le dise. Je ne suis pas d'accord que le Premier ministre, qu'on présente les influenceurs, les jeunes guinéens qui se sont saignés dans la création et qui se sont imposés dans le monde. Que ce soit Mansour Le Guissen, que ce soit Yves Leroy, et que ce soit Mimiche, tant d'autres, les Diallo Cravate, et que ce soit Makoso qui présente au Premier ministre Bahouri les influenceurs guinéens. Je ne suis pas d'accord. Dans ma tête, ça ne rentre pas du tout. Je ne sais pas comment ça ne... Bon. Mais bon, peut-être à travers cette journée internationale de l'artiste, on doit aussi comprendre ce que c'est que l'artiste. Moi, c'est ça mon combat.